Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, miséricorde et fidélité. Quand Jésus fut confronté par certains des chefs religieux de son temps qui le critiquaient parce qu'il mangeait avec des pécheurs, il cita le prophète Osée en leur disant de retourner à leur livre pour découvrir ce que Dieu voulait vraiment dire par « Je veux la compassion et non le sacrifice » Matthieu 9, le verset 13, citant Osée 6, le verset 6. Comme nous le verrons, Jésus a mené une vie de bienfaisance et de service. Ses interactions avec les autres, ces miracles de guérison et beaucoup de ces paraboles ont démontré et exhorté qu'une telle vie était la meilleure manière d'exprimer une véritable dévotion envers Dieu. Les chefs religieux étaient ses plus grands détracteurs, mais ils étaient également la cible de ses critiques les plus dures. Comme les gens religieux du temps d'Ésaïe, ils croyaient qu'ils garantissaient leur relation spéciale avec Dieu grâce à leurs pratiques religieuses, tandis qu'en même temps, ils exploitaient les pauvres et négligeaient les nécessiteux. Leur adoration était en décalage avec leurs actes. Et Jésus ne se gênait pas pour condamner pareille hypocrisie. Lisons Marc 12, versets 38 à 40. Le commentaire de Jésus sur le fait qu'il dévorait les maisons des veuves semble-t-il hors sujet dans cette liste? Ou bien est-ce précisément ce que Jésus veut faire remarquer? Comment expliquer la raison pour laquelle ils recevront un jugement particulièrement sévère? Marc 12, les versets 38 à 40. Il leur disait dans son enseignement: gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Le sermon le plus effrayant de Jésus, en particulier pour les gens religieux, est peut-être celui qui se trouve dans Matthieu 23. Non seulement Jésus décrit leur religion comme n'étant d'aucun secours pour ceux qui étaient défavorisés dans la vie, mais il considérait une telle religion comme ajoutant à leur fardeau. Par leurs actes ou parfois leur absence d'actes et d'attention, Jésus a dit qu'il ferme met la porte du royaume des cieux devant les gens. Matthieu 23, verset 13, version parole de vie. Mais en faisant écho aux prophètes des siècles passés, Jésus s'occupait aussi directement du fossé entre le sérieux de leurs pratiques religieuses et les injustices qu'ils cautionnaient et dont ils tiraient profit. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. Matthieu 23, le verset 23. Jésus fut prompt à ajouter que les pratiques et observances religieuses ne sont pas mauvaises en soi, mais qu'elles ne doivent pas remplacer un traitement équitable d'autrui. Comment éviter le piège qui consiste à penser qu'avoir et connaître la vérité est suffisant? Et nous vous laissons avec la question du jour: dans quelles circonstances sommes-nous censés adorer Dieu collectivement? En privé, au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.